Le secteur de l'artisanat est considéré comme l'un des leviers de développement social et économique en termes de création d'emplois et de richesses. Aujourd'hui, l'artisanat est au cœur des axes de développement stratégique du Royaume du Maroc. En effet, les Marocains excellent dans toutes les formes d'artisanat. Le secteur de l'artisanat, par sa richesse et son potentiel d'innovation où l'imagination rejoint la tradition, met en scène ses propres acteurs. Tous ces artisans qui sont le reflet de l'identité de la culture marocaine. Le secteur est devenu, par la force de l'originalité, un levier majeur du développement durable. Le tapis est un art traditionnel ancré dans la culture populaire marocaine. Les motifs, les coloris et la structure se déclinent selon différentes variantes d'une région à une autre. Il existe deux grandes familles de tapis, le tapis citadin et le tapis rural, en plus du hanbel. Le tapis rural et le hanbel sont issus des cultures amazighes des différentes régions du Maroc. Tant dans les milieux ruraux que citadins, le tissage des tapis est lié à des croyances mythiques et des pratiques rituelles qui confèrent à cette activité une valeur hautement symbolique. Le produit s'en trouve par conséquent lourdement chargé de signification. Dans les variétés du tapis citadin, on distingue celui de Rabat à point noué et témoin d'une influence orientale. Le tapis de Fès est à point noué, dérivé du tapis de Rabat. Le tapis de Mdiouna à point noué, originaire de la région de Casablanca et dérivant du tapis de Rabat, mais dont la composition générale et les motifs utilisés se démarquent nettement des autres tapis citadins. Le tapis rural à point noué, Kant Lechdif, qui est un tapis de laine, confectionné surtout dans les régions de haute montagne. Composé de nœuds amazighs sur deux fils, il se caractérise par la longueur importante des mèches de nœuds pour une meilleure isolation et une bonne conservation de la chaleur. Le tazarbit, type de tapis inspiré des tapis citadins plus fins que le tapis Lechdif, se distingue par son nouage composé de nœuds sur deux ou quatre fils. Le Yaqoubiya, type de tapis du Moyen Atlas central, inspiré des tapis citadins. Les hanbels sont des tissages très serrés et résistants, dont la chaîne est en laine, en général filée à la main, et dont la trame forme des dessins qui varient selon les tribus et les régions. La composition visuelle du champ du tapis présente de nombreuses variantes. Contrairement aux tapis noués, voués presque exclusivement au recouvrement du sol, les hanbels répondent à divers usages, ce qui explique la diversité des dimensions de ceux-ci. Historiquement, la confection des tapis et hanbel était une fonction féminine et l'est encore dans le milieu rural. Le tapis citadin ou d'inspiration citadine est en général conçu par des hommes et le rôle des femmes se limite à l'exécution. Le travail du tissage et du nouage du tapis est très sédentaire. Il exige une excellente acuité visuelle et qui impose le maintien d'une position assise mettant en tension les muscles du dos. Il se caractérise par des mouvements et des gestes répétitifs qui sollicitent les mêmes muscles à longueur de journée. Ces particularités du travail exigent une bonne résistance à la monotonie musculaire. Afin de maintenir sa condition physique et de préserver la qualité de sa vision et de sa santé, la tisseuse doit pouvoir appliquer des mesures préventives et adopter des habitudes de travail ergonomiques avec un éclairage naturel et un mobilier adapté à la posture de travail. Le terme tisserand ou m'allem désigne la personne qui conçoit, détermine la configuration des motifs et effectue toutes les étapes de la confection d'un tapis. Dans les ateliers de tissage de tapis citadins, ces appellations sont en général réservées aux hommes. كان عندي واحد الميول انا لهاد الصناعه اللي انا حدي الان فيها هي الزربيه. كنا صغار كنشوفوا السواح وداك الشيء وداك لي بازار كانت الزربيه كتاخذ داك النظرات ديالي داك الالوان اللي فيها وداك السائح اللي كيتقداها وداك الشكل كنقول انا هاد الزربيه كيفاش تخدم. وكنا حنا صغار كنطلعوا على الزربطانه وكنلقاو المعامل وكنلقاو البنات خارجين وحنا في داك السن ديال الطفوله والسن المراهقه كنبقاو نشوفوا داك البنات كيفاش يخدموا كيفاش المعامل كيفاش هذا من الصغر كنبحث كيفاش داك الزربي كتخدم بداك الطريقه. Dans les ateliers de production de tapis, l'appellation tisseuse désigne la femme dont le rôle se limite à l'exécution du tissage, de la trame et du nouage. Dans un contexte de travail individuel ou coopératif, cette même appellation ne cantonne pas la femme dans un rôle d'exécutante. Tisseuse désigne une mono-artisane qui conçoit et qui effectue toutes les étapes de la confection d'un tapis. Le terme artisan du tapis est employé pour désigner, de façon générale, tant les hommes que les femmes qui œuvrent dans ce domaine.
quel que soit son contexte de travail, l'artisan du tapis est toujours imputable de la qualité de son travail. Les décisions qu'il est appelé à prendre ne doivent en aucun cas affecter la qualité du produit ou déroger de l'entente faite avec le client. Le tisserand, le ma'allem et la tisseuse individuelle qui engagent d'autres tisseuses répartissent le travail de façon stratégique, selon les habiletés et le niveau d'expérience de chacune. Ils supervisent le travail, gèrent le temps de production et contrôlent la qualité. Pour ce faire, ils assurent un suivi continu de l'exécution afin de pouvoir résoudre les problèmes dès qu'ils se présentent. La stratégie propose de bâtir une image de marque qui soit en harmonie avec le nouveau positionnement de l'artisanat marocain. Un artisanat à fort contenu culturel, à la fois moderne et authentique, et véhiculant des valeurs de créativité, de qualité et d'innovation. Dans ce contexte, le système de formation professionnelle met en place une nouvelle offre de formation cohérente avec les besoins du secteur en qualifications et compétences et qui répondent aux exigences d'une approche par compétences. La formation par apprentissage dans ce secteur constitue pour les jeunes le mode de qualification professionnelle le plus approprié afin de favoriser leur insertion socio-professionnelle.